Hello YouTube, ici Perséphone qui vous parle. Si tu ne me connais pas, tu connais peut-être mes parents, c'est tout simplement Déméter et Zeus. J'espère quand même qu'ils te disent quelque chose. Sache qu'avant, je menais ma petite vie tranquille. Mais un jour, je me suis baladée dans un champ et il y avait Hadès. Tu vois qui c'est Hadès? Bah c'est le dieu des enfers. Et tout naturellement, il est tombé in love de moi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a décidé de me kidnapper pour m'amener aux enfers. Popelope. Bref, par la suite, j'ai épousé Hadès. C'est la vie. Sauf que quand j'ai disparu, eh bien ma mère Déméter, elle était au bout de sa vie. Étant donné que j'étais mariée à Hadès, il faut savoir que je ne pouvais pas quitter les enfers. En fait, à partir du moment où j'avais mangé un repas là-bas, bah c'était fini pour moi. Sorry. Zeus n'arrivait pas à voir sa femme super triste, donc il a décidé de faire un compromis avec mon mec Hadès. C'est simple, maintenant je vis 6 mois en enfer et 6 mois sur terre. Hello YouTube. J'espère que ce court passage culturel t'a plu. Voilà, comme ça tu peux un petit peu situer le personnage. Cette vidéo d'Halloween est vraiment très spéciale parce qu'il s'agit d'une vidéo collaboration. La personne avec qui je collabore aujourd'hui, c'est... Marion Caméléon. Ouais, je sais, vous la connaissez pas, c'est sûr, elle est trop méconnue dans le make-up game, je sais. Of course, je rigole, hein. Aujourd'hui, on fait une collaboration sur un thème en commun qui est la mythologie grecque. Voilà, notre thème commun, c'est la mythologie grecque. Après, on part en freestyle chacune de notre côté et on rassemble nos deux looks pour vous montrer un petit peu l'univers qu'on a créé. Moi, de mon côté, je suis partie plus sur les dieux, les déesses, etc. avec Perséphone. Voilà, c'est Halloween, donc je me dis, why not faire la déesse des enfers, c'est cool. Et elle a un petit peu changé de registre et normalement, elle a fait Médusa. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 4 septembre. En tout cas, je vous invite off course, après avoir visionné ma vidéo, à directement cliquer dans le lien dans ma bio pour aller voir sa vidéo, son interprétation. Et moi, je vous laisse avec le tuto. Mon teint est déjà fait, c'est-à-dire que j'ai déjà du fond de teint, j'ai poudré, anti-cerne et un petit peu de contouring pour éviter d'avoir l'air d'une feuille morte. Je rajoute de la couleur avec un blush rosé qui vient de la palette Morphe que je vous recommande, elle est vraiment vraiment très cool, je l'aime bien. Étant donné qu'on part sur un maquillage artistique, eh bien on se dit qu'on est en train de créer la base, donc autant que la base soit pigmentée, c'est pour ça que j'en mets pas mal. De toute façon, ce sera recouvert juste après. Je passe à un de mes highlighters préférés, c'est le Trophy Wife de chez Fenty Beauty. C'est un or gold magnifique et je le dépose à mes coins de lumière. Ensuite, je prends ma palette 35e qui vient de chez Morphe. En fait, c'est une palette que j'aime bien utiliser pour le teint ou pour rapporter de la pigmentation quand je fais des bases au fard gras. Mais cette fois-ci, je prends le fard noir et je viens accentuer mon contouring. Pourquoi j'ai choisi ce noir de cette palette? Parce que je trouve qu'il n'est pas trop fort, mais pour autant, il reste un petit peu pigmenté, donc j'ai moins de chances de me louper. Je passe maintenant au maquillage des sourcils, donc je l'ai fait hors caméra, mais sachez que je le fais généralement avec des fards gras qui viennent de chez NYX, les SFX là, je les trouve très cool. Ou bien je prends la lip palette qui vient de chez Anastasia Beverly. C'est étant donné que mes sourcils sont gras, je vais y accrocher des paillettes. Bon j'avoue ça se voit pas énormément, mais bon le cœur y est quand même. Je passe au maquillage des yeux en mettant ma base Pelouise numéro 2, et oui comme d'habitude ça ne change pas. Pour ce maquillage, j'ai décidé de me concentrer sur deux couleurs, le noir et l'or. L'or pour le côté déesse et le noir pour le côté enfer. Donc pour respecter cette idée de départ, j'ai pris ma palette Bright Matte qui vient de chez Beauty Bay. Oui, je sais, je l'utilise énormément pendant cette série, mais je vous la conseille. Sincèrement, vous avez vu le nombre de fards, elle coûte 25 €. Elle est pigmentée, mais comme never. En plus, je crois sincèrement, pour vous dire la vérité, que c'est le noir le plus pigmenté de toute ma collection. Je commence avec un gris intermédiaire, donc ni trop foncé ni trop clair, et je le dépose en l'étirant sur tout mon œil, parce que oui, le maquillage va être un cut crease. Une fois que ma matière est bien placée, je vais pouvoir venir la dégrader avec une autre couleur. Cette fois-ci, je passe un gris beaucoup plus clair, et ensuite, je vais accentuer tout ça avec le noir de la palette. Et oui, quand je vous ai dit qu'il était pigmenté, je ne rigolais pas. Donc là, pour le coup, c'est un petit avertissement, si t'as cette palette, ce noir, ou si tu comptes l'utiliser pour la première fois, je te dis, fais gaffe, vas-y progressivement avec le noir. En tout cas, le brief est exactement le même que pour tous les maquillages de tout l'univers, c'est dégrade, dégrade, dégrade. Je fais le même principe au niveau de mon ras de cils inférieur et je cut mon crease, donc oui, je coupe ma paupière avec ma base Pelouise. Étant donné que j'ai la base Pelouise classique, eh bien j'ai besoin de la poudrer et j'utilise mon highlighter Fenty pour le faire.
Je viens déposer deux petits bouts de scotch pour tracer un eyeliner au fard à paupières. Donc comme d'habitude, je prends le noir, je dégrade avec des gris plus clairs et je m'arrête quand je le sens. Et film ! Ah oui, petit conseil pour éviter de vous arracher l'œil avec le scotch. Eh bien, prenez le scotch et collez-le sur votre main en premier, décollez-le, recollez, décollez. Et en fait, le scotch, eh bien, il collera un petit peu moins. Et comme ça, quand vous le retirez de votre œil, ça vous arrachera rien du tout. Je rajoute un col noir dans ma muqueuse. Voilà, vous voyez un petit peu la différence que ça donne. Et un eyeliner Tarte pour intensifier tout ça. Pour revenir sur l'eyeliner Tarte, au début je l'aimais bien mais je trouve qu'il sèche vachement à l'intérieur et je sais pas, je le trouve plus ouf du tout en fait. Je retire mes bouts de scotch et comme vous avez vu, je n'ai eu aucun problème, ça ne m'a pas du tout tiré la peau et ça c'est bien. Je prends un fard à lot noir et je viens créer le design principal de mon maquillage. Vous dire ce qu'il représente, eh bien écoutez, je pense que ce serait un petit peu compliqué à l'oral, mais je trouve que ça allait bien avec les mouvements des flammes, l'enfer, etc. Voilà, on est dans le contexte, après de là à vous expliquer la signification, ne m'en demandez pas trop non plus. La chose importante à retenir au niveau de ce design, c'est de se dire qu'il doit vraiment s'adapter aux courbes du visage. Pour preuve, quand tu regardes les designs que j'ai fait au niveau des côtés, eh bien ils ont un côté arrondi pour bien mettre en valeur mes petites pommettes. Pour donner un effet naturel, eh bien il faut miser sur le hasard des traits. C'est pour ça qu'il y a des moments où ils s'entrecroisent beaucoup, ils sont plus épais, ils sont plus fins ou bien ils sont tout seuls. Pour mettre en valeur ces traits, je vais venir prendre des pigments qui viennent de chez Make Up For Ever de couleur or. Et je mélange les pigments à un liquide spécial pour les faire redevenir comme un liner. Une fois que le mélange est fait, qu'il est bien homogène, je vais pouvoir colorer les petits espaces vides de mes traits noirs en or. Attention, si tu remarques bien, je ne colorie pas non plus toutes les cases libres, entre guillemets, ouais, on va appeler ça des cases. Hors caméra, j'ai essayé ma couronne pour voir si le design allait bien avec et j'ai décidé d'en rajouter à deux endroits, au-dessus de mon sourcil et en bas de mon œil. Je reprends mon fard à lot de couleur noire et je viens colorer tout mon cou et je le descends jusqu'où je veux. Ah oui, certains me demandent la différence entre les fards à lot et les fards gras. Eh bien les fards à lot s'activent tout simplement à l'eau, tandis que les fards gras, eh bien tu peux directement les déposer sur ta peau. D'ailleurs ça s'estompe beaucoup plus facilement, pourtant il faut quand même que tu les fixes avec de la poudre. D'ailleurs j'aurais pu totalement faire cette partie du maquillage au fard gras, mais bon vu qu'il faut estomper c'est un petit peu plus long, mais pour autant ça aurait beaucoup mieux fait tenir les paillettes et ça en aurait chopé beaucoup plus. Une fois que mes paillettes noires sont déposées, je rajoute un petit peu d'highlighter or avec le Trophy Wife de chez Fenty Beauty à mes endroits de lumière. Je me sers encore une fois dans mon fard à lot noir et je prends le cul d'un pinceau, voilà, moi j'appelle ça comme ça, je le trempe dedans et je viens créer des points de manière aléatoire sur mes designs. Pour que le rendu soit vraiment joli, il faut prendre plusieurs tailles de pinceau, comme ça les ronds ben, justement seront de plusieurs tailles différentes et ça va créer une certaine harmonie. Pour les ronds les plus petits, j'ai pris des petites barrettes neige et voilà, bah j'ai tracé des petits ronds à droite et à gauche, je vous laisse regarder. Oui, la seule chose à faire gaffe, c'est de ne pas trop s'emballer sur les points. Après, ce que j'aime bien faire, c'est souvent en mettre plusieurs les uns à côté des autres et créer une transition sympa au niveau de ma peau. Je reprends ma mixture du départ, vous savez, avec les pigments or et mon petit liquide et je crée des petites projections sur mon corps. C'est à ce moment-là que j'enfile une paire de lentilles et une paire de faux cils et je rajoute quelques strass. Je commence à en positionner un sous chacun de mes yeux et ensuite de manière aléatoire sur les designs que j'ai créés précédemment. C'est pareil que la dernière fois, il ne faut pas trop en abuser et réfléchir un petit peu, mais pas trop, aux endroits où les déposer. En tout cas, sur mon corps, j'en mets un petit peu plus que sur mon visage parce que c'est là où ça se voit le mieux. Allez, courage, cette transformation est presque terminée, il ne manque plus que le maquillage de la bouche. Et c'est, j'imagine sans surprise, que je viens la colorer avec un rouge à lèvres noir. Celui que je vous conseille, c'est celui de chez Sephora, je trouve qu'il bouge très bien, il est très confortable, et voilà, j'achète. Pour revenir au concept du maquillage qui est or et noir, je rajoute un petit peu d'highlighter Fenty au milieu de ma bouche pour le coin de lumière. J'effectue un petit changement capillaire avec une perruque noire et j'enfile une couronne que j'ai créée moi-même.
Je suis trop contente du résultat de ce make-up. Il est dark, mais en même temps or, ça fait genre prestige et tout. J'aime bien l'idée. Petite parenthèse sur ma couronne. Comme ça, tu vas pas me poser des millions de questions. Ma couronne, c'est tout simplement un tapis de sol, genre que tu peux trouver à Intersport. Tu prends des tapis en carré. Tu vois bien que c'est un tapis là. J'ai d'abord découpé dans le tapis la forme que je souhaitais. Et ensuite, avec un décapeur thermique. Un décapeur thermique, c'est un sèche-cheveux qui chauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que la normale. C'est beaucoup plus chaud quoi. Le fait de faire fondre, de chauffer, en fait tu peux donner au tapis la forme que tu souhaites. Ensuite je l'ai personnalisé, j'ai collé plein de petites perles de plein de sortes différentes et de couleurs différentes et j'ai bombé tout ça en or. Puis ensuite j'ai rajouté des paillettes. J'ai enfoncé des plumes, donc des plus grandes plumes et des plus petites ici à l'intérieur. Et les petites à l'intérieur, j'ai tout simplement mis un spray et je les ai trempées dans les paillettes en or. En tout cas, j'espère sincèrement que ce thème t'a plu autant que moi et que cette idée de collaboration aussi. Je suis vraiment très contente d'avoir pu collaborer avec Marion parce que j'aime vraiment tous ses travaux. Donc n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo en barre d'infos. Si tu aimes mon univers, n'hésite surtout pas à partager mon contenu sur tes réseaux sociaux. Bien sûr, à me rejoindre sur Instagram, à me laisser un petit commentaire d'encouragement, un petit pouce bleu et of course à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je te fais plein de gros bisous et je te donne rendez-vous demain à la même heure. Bye !